19h, l'heure du stream. Bienvenue à toi, jeune curieux, quoi, et vieux curieux, et n'importe quel curieux, du moment que c'est de la curiosité qui t'amène là. Puisqu'on va retourner dans notre jolie jolie archive shmup qui commence à être bedonnante. Et on va explorer un titre que je redoutais un poil. Ce titre, comment s'appelle-t-il? Ben, c'est déjà affiché sur l'écran, j'ai oublié de l'enlever en démarrant le stream, c'est magnifique. Donc je vais le désafficher. Ce titre, comment s'appelle-t-il? Ben, comme vous ne le voyez plus sur l'écran, c'est Atomic Robo Kid. Qu'est-ce qu'il est taquin. Et il se trouve que dans les il est fort probable que je n'ai pas accès à tous les boutons nécessaires qui n'ont pas forcément été mappés. Et que j'aurais pas forcément le temps de mapper en temps réel, puisqu'on est là pour streamer les gars et pour voir le jeu s'il a une bonne bouille, s'il est jouable, s'il est génial. Je vous fais pas languir davantage, on file dedans. Vous savez très bien que mon fail de lancement de stream m'attend. À bras ouverts, avec un Z majuscule. What? What? Je. Eh. La régie? Oui, appelez la maintenance. Bah, mon fail. Mon fail. Je fais quoi là? Ah, je vais être coincé sur l'écran de sous-sélection. Oui, bah on va voir. Je crois pas, hein. C'est pas bien possible. Ça n'arrivera jamais. Je suis coincé. Je suis coincé, les gars. Aidez-moi. Je me suis enlisé. On va faire toutes les touches, hein. On va finir par trouver celle qui va nous débarrasser. Vous avez vu ça? Je savais que c'était la touche G. G comme groink. Atomic Robo Kid, fais-nous voir ta bouille. Alors déjà, je vais te baisser un poil le clapet. Pour qu'on puisse s'entendre un minimum. Je vais te monter dans les retours du stream. Parce que vous ne m'entendez quasiment pas et c'est moche. Il a des choses à dire ce jeu, il a des choses à dire. Faut le laisser s'exprimer. Donc un scroller horizontal plus que classique dans son décor. Mais. Vous allez voir que ce petit bonhomme est plein de surprises. Alors, si je me trompe pas, je crois qu'on peut tirer devant, mais on peut tirer derrière aussi. Eh oui. Donc là où AirType vous emmenait inexorablement vers une fin sous une quelconque boulette d'ennemi pop-corn de boss, bah là votre destin va être entre vos petits doigts robotiques, puisqu'il va falloir choisir quel coin déblayer pour se frayer un chemin vers bah, probablement un boss de niveau aussi. Comment ça je spoil? On est dans un shmup les gars. Et un shmup des années 90. Non, 88. Vous aussi, vous êtes étreint par l'envie et le désir. Je ne vous fais pas davantage languir. Alors, faut que je trouve les touches, mon gars. Ok. Oula, oula, oulala, je prends ça. Alors, j'ai pas encore essayé d'autres touches, hein, mais je saurais. J'ai le pouvoir atomique. Mais je suis mort. Alors oui, il faut identifier un petit peu les projectiles au démarrage, c'est pas évident, mais il y a moyen de s'en sortir. Je me casse courageusement, hein. Vous connaissez ma technique. En plus, ça tombe bien, j'ai des nouvelles armes, je peux les essayer, je suis joie, je suis bonheur. Je suis robot surarmé et bien équipé pour pas se laisser marcher sur les circuits. Ça veut pas trop que je revienne en arrière apparemment. Est-ce la panique? Comment ça, je me suis mis spontanément à parler une langue étrangère? Mais non, pas du tout, c'est vous qui avez des liens.
J'ai dit que c'était un moment qui allait devenir probablement gênant. Avec une ponctuation à la fin, mais je me rappelle plus bien. Alors, vous le voyez venir, même si vous n'avez pas le retour webcam, et donc vous n'avez pas mon petit sourire, quoi. Puisque j'ai beau un peu froncer les sourcils en me disant « Il est pas simple, le bougre !» Je suis quand même très content d'être dans ce jeu. Il est bien. Malgré une hitbox qui est gargantuesque, quand même. Il est bien pourquoi? Alors, il est bien parce que ça change de R-Type, on peut s'arrêter un peu et puis cogiter le niveau pour l'aborder de la manière dont on souhaite soi-même, c'est-à-dire esquiver un truc qui pourrait être craignos parce qu'on n'a pas chopé le bon armement, je sais pas. Alors, je parle pas de stratégie, mais voilà, on... Oh putain, je suis pas bon, moi. Je vais sortir mon excuse numéro 117 qui est celle de je suis pas bon dans les scrollers horizontaux. C'est très bien les petits cœurs. Et on va y retourner. Yes, we do. Alors, je vais pas trop parler pour cette partie, histoire qu'on essaye de voir ce qu'il y a après quand même, ce serait sympa pour vous. Parce que je me fais de la peine là. Oh, barre-toi. Moi je me barre courageusement, c'est une nouvelle technique, hein. Je viens de l'inventer à l'instant. C'est peut-être pas la meilleure idée, vous me direz. Alors le jeu est très jouable, il est très souple. Faut prendre le coup parce qu'on se trimballe, bah regardez mon vaisseau il fait quand même un cinquième de l'écran quasiment. Ça fait quand même une belle pastèque. Arrive toi machin, truc, bidule, t'es où? Elle est où la grosse hélice? Je veux la grosse hélice, je la veux quand? Je la veux maintenant! Et je me barre après, hop! Et bah je suis passé, en insistant. Nom de Zeus, je vais connaître celle-là. Donc, dans la difficulté, ne te retourne pas. Nous noterons ce proverbe de Atomic Robo Kid, qui ne manquera pas de faire sourire les plus jeunes, mais rappellera de douloureux souvenirs aux plus vieux comme moi. Ça va chier. Ça va chier, je vous le dis. Allez, crève pas. Ce serait sympa. Non ! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non ! Non. Tiens, je te saute dessus, sale margoulin invertébré. Voilà, je cherchais une insulte à la hauteur du truc et c'est le premier truc qui est passé. Hein. C'est bizarre, j'ai pas un méga tir. Ça respawn un peu les gars, je trouve, non? Il est comme un malade là-dessus. What? Alors, que se passe-t-il? Il vient de m'arriver quelque chose. C'était trop les amis, j'ai l'impression d'avoir un semi-remorque dans un magasin de porcelaine. Ce jeu est mortel et il me refoue ailleurs du coup. Je fais non mais toi tu me mérites pas. Tu te comportes autrement, tu t'entraînes un peu et tu reviens me voir quand tu t'y connais un petit peu là parce que regarde je te ralentis. C'est vrai que ces nuages sont pénibles. Du coup il me remet au tout début de l'ancien niveau ou quoi? Qu'est-ce qui... Je ne comprends rien. J'aimerais bien avoir un autre tir. Vous savez, un tir qui fait mal, ça.
a tendance à se retourner très facilement. C'est le défaut que je donnerais au titre. Genre, si on pouvait garder le bouton appuyé et que ça gardait le dernier tir, la dernière direction du tir, ce serait juste génial. C'est le petit problème ergonomique du titre. Pour le reste, c'est nickel. Faut un poil insister quand même sur ces trucs, c'est pénible. Je te scrollerai. Oui, là, on n'est pas à fond. Hein. Alors, ceux qui ont reconnu un titre qui faisait Je te survivrai sont priés de sortir du stream, là, tout de suite. Non, non, mais maintenant. Oui, non, mais vous êtes trop vieux, là. Midlife Gamer, on n'a pas parlé Papy Gamer, quoi. Pas encore, attendez, je sais pas, une quinzaine. Je vais spotter comme ça les gens progressivement dans le public, dans l'audience. Il est hors de question que je fasse des streams pour l'hospice du grand-père Simpson. On n'en est pas encore réduit à ce point-là. Comment ça, faut que je parle plus fort? On n'en est pas encore réduit à ce point-là, je disais. Bon, c'est pas grave, ça ne comprend rien, il sort comme un pot. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai été trop long, j'ai un Pac-Man au cul, les gars! Ils ont cramé dans ce jeu! Ils ont cramé! Leave me alone! Britney Spears, au secours! Oui, 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 mais non, tu ne peux pas! Il y a Dev qui fait de la mandoline en diagonale, quoi! Oh là là, ce jeu est un camoulox parfois! Vous en avez l'eau à la bouche? Vous voulez savoir ce qu'il y a ensuite? Bah, va falloir y jouer, mes petits cocos. Mais parce que là, moi, j'ai donné, mais je peux plus. Hein. Ce jeu est très méchant. Donc, il a l'air très, très dur. Je pense pouvoir avancer ça sans trop me tromper. Il est très joli. Ça, on l'a vu tous ensemble. Hein. Il est relativement maniable. Si le petit défaut que j'ai spécifié avec le fait qu'on puisse pas garder la dernière direction du tir en gardant le tir enfoncé, ça manque un poil. Je pense qu'il a d'autres atouts à révéler. Surtout si on arrive à choper d'autres bonus que ce que j'ai chopé au démarrage. Parce qu'on n'a pas vu grand chose. Donc voilà, ce Atomic Robo Kid, il est totalement validé. Il n'y aura pas dans les top ultra jeux, mais il a échappé à la malle au grenier où on met les vieilles archives toutes pourries. Et c'est déjà une belle chose pour un petit castage là. 88, hein, je vous rappelle, les gars. On va se quitter sur les deux streams réglementaires. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous remets cette belle image quand même. Si je le retrouve. On va se quitter donc avec les deux streams réglementaires, la playlist généraliste, la playlist des shmups, et j'insiste toujours sur le bouton abonnement, il faut qu'on chope cette URL raccourci là, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre, on en a gros. À demain, 19h, et on en aura encore plus gros.